YouTube, si tu regardes cette vidéo le soir, le matin, la nuit, peu importe, je ne sais pas, en tous les cas, bonjour. On va jouer Eden pour la 23e partie d'affilée de l'Eden Streak en mode hard. C'est parti! Alors, hop, le jeu me met bien là. Le jeu régale, hein. J'ai 3 cœurs, dont un cœur bleu. J'ai le vol, j'ai les Demon Wings. Et j'ai des très bonnes stats. Bon, à part la range qui est un peu moisie, mais à part ça, très bien. Et puis le Demon Wings qui me rajoute du coup 0,30 de speed. C'est nickel. Ah oui, YouTube, j'attends un colis du PS. Donc, si jamais je m'absente, c'est normal. Ne t'en fais pas. En plus, j'ai 8 de tirette, 4 13 de dégâts. C'est incroyable ce star. The Hermit. Oh. C'est tentant, hein. Mais il y a une machine de reroll aussi, hein. Ah, je sais pas. Si j'ai plus de bombes, je vais reroll. Sinon, je le prends parce que c'est un bon objet en vrai. Avoir les Secret Rooms dès l'étage 1, c'est priceless. Je croyais que j'allais me faire toucher. En plus, j'ai pas le droit de me faire toucher, j'ai le vol, quoi. Putain, mais. Ah, si eux ils commencent à esquiver mes tirs, ça va pas le faire. Ah. Attendez. Si, mais si, 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 si. Si, je me souviens. Faire comme ça. Tac. Et là, je peux tirer. Voilà. Ah oui, et puis j'ai le D12 aussi, hein. Bon, D12, c'est un peu à rien. En gros, ça sert à faire ça, quoi. Voilà. On sait jamais, hein. Il y a un petit quartier là, dans le pot. Non, même pas. Faut pas rêver non plus. Ah, sloth. Le jugement. Ouais, vas-y. Il y a un cœur rouge entier là-bas, donc je peux me le permettre. Ah, mais il donne rien aussi, putain. Allez, chais. Dégage. Rends-moi mes cœurs. Bon, bah, je vais prendre le. La vision. Je prends de la vision, qu'est-ce qu'il y a au shop? Ah, la boîte de Pandore. Je crois que c'est deux cœurs bleus à l'étage 1. Du coup, je prends. Ah, quoique. Oh, je sais pas. Il y avait plein de cœurs ici. J'aurais pu continuer d'exploiter le mendiant. Bon, c'est pas grave. Oui, Daou.
polydactylien, ben dis donc. Bon, du coup, je vais claquer ma boîte maintenant, histoire d'être safe au niveau des cœurs. La safitude. Hop là. Oh, c'est tellement bien le vol. C'est trop trop bien. Deux clés. Ah bah eux, je vais attendre qu'ils meurent. Tout simplement. Pourquoi s'emmerder? Voilà. Ah, pas grand chose. Ouh, la bougie. C'est pas la rouge, c'est la noire. Elle est très bien la noire aussi. Bon, elle est même mieux, hein. Ok. Ah, petite trinquette là. Je vais le prendre. Ce sera toujours plus utile que le missing poster. Bon, niveau clé, on est bien. Ah. La super secret. Oh, je vais les cramer les mouches. Regardez. Hop là. Ah, lui peut me donner des thunes, hein. Les thunes qu'il me faut pour la bougie. En plus, il y a plein de cœurs là. Parfait. Faut juste pas qu'elle éclate. Ou alors, si elle éclate, elle éclate une fois que j'ai les 15 pièces et elle me donne le blood bag. Ça c'est bien. Et où est-ce qu'il y avait un demi-cœur là-bas? Putain, je suis pas je suis pas tout à fait réveillé ce matin. Bah du coup je vais aller voir l'item. Ah oui. Se saoule. Ah bah voilà les deux pièces. Et du coup je vais prendre ceci, la Black Candle. Donc il y aura plus de Curse of the Blind, plus de Curse of the ce que tu veux. La batterie sera bien plus tranquille.
il m'a lâché ça, lui. Boum. Aha. Moi, je peux pas me refaire d'autres cœurs. Bon, bah. Boum, la machine. Yes. Et là, comme il y a une autre machine là-bas, eh ben, je vais aller donner... Putain. M'en fous, j'ai tout mon temps. Le Ivy Bag. Ça tombe bien, on n'avait aucun objectif. Donc on va le prendre. Et c'est parti. Monstro. Ah, imaginez, ça fait comme samedi dernier, on trouve Bloody Penny et le PhD. Ça serait incroyable. Rien que Bloody Penny, en fait, ça serait incroyable. Des thunes infinies. Ok. HP up. Et nous avons la queue de Guppy, figurez-vous. Guppy's Tail. Eh ben, on va prendre directement. En plus, j'ai l'air de drop pas mal de clés, donc ça tombe bien. Non! Quel con. En fait, ce que je voulais faire, c'était... À la base, je voulais ouvrir les trois coffres et me barrer au shop avec l'ermite. Sauf que entre temps, j'ai ramassé une pilule. Heureusement que c'était pas une pilule négative. Sinon, la carte. Ah, Two of Diamonds, intéressant. Ok. Je vais garder le Two of Diamonds pour l'instant. Comme je peux gagner des sous assez facilement grâce à Ivy Bag. Oh putain, l'araignée de ses morts là. Allez, ta gueule. Saleté d'araignée. Alors, vous pouvez pas m'avoir? C'est triste. Il me faut de la range. J'ai pas assez de range. The Moon. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de The Moon? Bah après oui, c'est une carte de TP quoi. Oh, regardez, quand je repousse les balles. Trop bien. Oui, de toute façon, il n'y avait rien au shop, donc... Je peux reprendre l'objet. Rien que cette salle, franchement, avoir le vol sur cette salle, c'est incroyable.
Oh! Oh! Le petit dime. J'ai entendu une salle secrète aussi, hein. Elle est là. En purity, tous les jours. Oh, il m'a donné de la range. Oh! Odd mushroom. Oh là là, oh là là. Et cette partie, elle est bien, commence bien. Elle commence vraiment bien. Oh putain, une vie. Ouais, je me casse. J'ai pas le temps. Ah, c'est mieux avec de la range, hein. Que je vais là, ouais, il peut y avoir un objet du pied en vrai. Putain, lui il est relou. Voilà, et bah non, rien du tout. Si, un peu de thune à la limite. Ok, là il m'a donné de la speed, bien aussi. Ah mais oui, du coup, comme j'utilise mon Ivy Bag, ça me... Attends, la stratégie de la Ivy Bag avec le Purity, c'est bien, en vrai. Ah, ça va donner du bon tiers up. C'est bien parce que si jamais le bonus te plaît pas, petit coup d'Ivy Bag et tu peux changer de bonus à la volée. C'est vraiment cool, hein. Encore des sous. Là, je vais pas le claquer tout de suite vu que j'ai un gros tiers up. Et si jamais je me refais toucher au prochain étage, je peux activer mon Ivy Bag pour claquer mon maker rouge et espérer récupérer mon tiers up. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, bah vas-y, hein. Même si c'est cave 2. Bon, ça va, au moins j'ai pas les boss d'élite chiants. Merde. Je pensais être à l'abri. Aïe hop. Ouais, ça c'est même mieux ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres coffres? Un cœur rouge. Et un demi-cœur rouge. Donc là, qu'est-ce que j'ai eu? La speed. J'ai pas envie de la speed. Voilà, j'ai eu mon tiers up. Mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Meilleur strat. Oh là là, oh là là, ça régale, hein.
Un pieu. Et en vrai. Eh oui. Voilà. Est-ce que je peux avoir les trois? Ça m'étonnerait. Ah non, j'ai que deux. Du coup, il m'a donné de la speed. Voilà. Je vais bientôt avoir 99. Sans claquer mon 12 diamonds. En vrai, c'est une machine de dons, je crois que je vais donner un peu de thunes. Là, c'est l'occasion. Ah, pas totalement. Je prends ça. Et je vais donner des pognons. Ah, bah d'accord, deux pièces. Putain, là, il abuse le jeu. Du coup, je vais prendre une clé. Alors, le potato peeler. Ouais, je vais mettre un cube, mais pas plus. The world. Bulle. Là, en vrai, ce qu'il faudrait, c'est du tears up, justement. Ça, je peux tomber à 1. Avec le purity. Ok, un petit lock up. Satan! C'est bon. Ah, je déteste les araignées. Ouf. Il y a du monde là, quand même. Alors là, pareil, cette salle, le vol, c'est incroyable. C'est là que je me rends compte que Lord of the Pit, même à deux cœurs rouges, je pense que je le prends. Parce que le vol, ça reste quand même incroyable. Berkano. Oui, c'est vrai que ça va drop des... Merde, pourquoi j'ai fait ça? Bah ouais, du coup j'ai perdu mon tears up. Bon, c'est pas... En vrai, la range c'est bien aussi. J'en ai pas beaucoup. Ah bah. Là, il va me donner quoi? La speed. Oh mais il y a plein de cœurs là! What the fuck? Ah voilà, c'est bon. J'ai récupéré mon tears up.
Oh lui là! Ouvre ta gueule! Merci. Ah, double pilule, hein. Aïe. Aïe, j'avais pas envie d'être gros. Allez, le boss. Stain. Je me protège avec le caca rouge. C'est une strat comme une autre. Hein. Oh mais merde! Bon allez, maintenant c'est The Tool qui va faire le travail. Voilà. Que prends-je? Ah, caféine pile pour réduire ma taille. Vu que je suis devenu trop gros. Et pour la speed aussi, hein, évidemment. Voilà, c'est pas mal. Et là on a quoi? Incu. Incubus. Ok. Oh, attention quand même à ma vie, hein. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ma vie. En plus, je vais plus pouvoir claquer mon heavy bag comme je veux. Ah ouais. J'aurais peut-être dû prendre l'HP up du coup. Mais je savais pas qu'il y avait Incubus. Sinon, je l'aurais pris. Pas un cœur bleu là? Ah, puis ouais, pareil, je me suis enlevé un cœur. Ah, j'ai un petit peu mal joué là. 4 cœurs et demi, c'est pas beaucoup. À l'approche de Death. C'est pas énorme. Faut être prudent. Alors évidemment qu'on est puissant, ça y est, aucun problème. Oh là là, mais les pièces, toujours plus de pièces. Y a quoi ici? Encore 4 coffres. En vrai. En vrai, vas-y. Pas des cœurs bleus maintenant. Que je trouve des cœurs bleus vite fait. Qui des rochers marqués ou choses comme ça. Ah, un petit Hiera. Ouais. Et là, il faudrait que je trouve le shop. Ah merde. Bah, du coup, j'ai trouvé l'item d'abord. Mais en vrai, l'item est cool, hein. Donc je vais garder ça, c'est clair. Je vais garder le Book of Sin. Ça drop des cœurs. Ok, là je peux reroll, c'est un plaisir. Là, je vais faire ça. Death. Est-ce que je prends le coupon? Ouais, non. J'ai plein de sous, j'ai pas besoin du coupon. Oh, le 1 plus 1. Hop, hop. Allez, les cœurs bleus. Ça tombe, les cœurs bleus. Ah, oui. Ça, c'est oui. Du coup, Two of Diamonds, je prends ça.
Ouais, pour recharger mon bouquin. Ah oui, du coup, double. Oh, oh c'est incroyable. Oh, je suis full life. Je suis quasiment full life. Two of Hearts. Ouais, on va rester là-dessus. Putain, je suis rentré, j'avais 4 coeurs et demi. Incroyable. Bah là, de toute façon, Book of Sin, Jumper Cable, qu'est-ce que j'ai ramassé encore? Bah, la carvaterie. Je vais pouvoir drop énormément de... De cœur bleu, de cœur noir. Oh, puis j'en ai encore des pièces. Hein. C'est la run du pognon. Bah, la bougie, on va la laisser. Hein. Le bouquin, il est tellement mieux. Puis offensivement, je suis bien. Hein. J'ai pas besoin de la bougie. Ah oui, j'ai que 4,92 de dégâts, mais... J'ai une Cubus et j'ai surtout un Tyrite de malade. Sauf que là, cette fois, je vais pas pouvoir me rendre l'effet de Purity si jamais je le perds. C'est le seul problème. De pas avoir de... De plus avoir de cœur rouge et Ivy Bag. Mais bon, je prends le Book of Sin tous les jours. Hein. Surtout avec Carvatry. Je sais avec le 1 plus 1, je vais me faire plein de clés. Donc la Guppy's Tale, elle va pas poser de problème. Plus de sous. Ah voilà, du coup, ouais, là. Comme j'ai pris le dégât en sortant de la salle, ça m'a remis à 8 de tier 8. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hein. Ah bah hiérophante. Hop. Ace of Hearts. Avec le pognon que j'ai. Putain, encore plus. Ah bah là, oui, là, c'est clair, je vais... C'est clair, je vais refaire l'étage. Ça, c'est clair et net. Je vais d'abord full clear, choper l'objet de boss et je vais refaire un étage. Attendez 2 secondes. Non, c'est bon, fausse alerte. Ah, j'attends toujours mon UPS là. Bah ils ont dit ils ont dit jusqu'à 10h30. Non, 10h15 je crois. Il est bientôt 10h15. Ah bah tiens, Guiche, il m'a dévoilé un rocher super super marqué. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est ça, un super rocher marqué. Parce qu'ils sont pas évidents à voir, hein.
Ah bah, Squeezie. Petit tiers up. Ah ouais, d'accord. Donc là, j'ai pas une salle de sacrifice là? Non. Malheureusement, non. Hierophant, Sun. Parce que la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'on peut avoir une curse room et une sacrifice room au même étage? C'est une question que je me suis toujours posée. Au-dessous, Berkano. Ah bah j'ai tout visité, hein. J'ai tout visité, donc du coup je vais aller reroll l'étage. Non mais pourquoi je prends les sous? Après. Ah bah en plus le shop il est là-bas. Vite. Ah bah c'est une bonne nouvelle hein, parce que du coup on l'aura pas dans le shop. Oh, stopwatch, ouais. Ça me plaît ça. Quoi d'autre? Item martyr, bah je vais le prendre hein. L'emplacement des secrets. Ouais, pour 15, non. J'ai failli oublier les clés. Broken modem, c'est hors de question. Deep pocket, je sais pas si ça sert à quelque chose. Bah non, j'avais polydactyle, donc ça sert à rien. C'est pas grave. Oh! School bag. Ah, on achète tout, hein. On en profite. Pudding box, j'aime pas. J'aime pas spécialement. Et charge baby pour encore plus de recharge. Et oh! Ça, je vais prendre. Le Dolorazor, je prends. Pourquoi? Parce que du coup, ça va faire proc mon purity si je dis pas de bêtises. Je vais essayer. Ah ouais, ça fonctionne. Oh! C'est incroyable. C'est incroyable! On a trouvé une utilité. Une utilité. On a trouvé une utilité, pardon. Au Dolorazor. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé une utilité. Je pense que tout le monde le savait déjà. Mais ouais. Parce que d'habitude, le Dolorizor, je le prends jamais. Hein. Jusque-là, bah forcément. En plus, il se recharge toutes les deux salles. Ça, c'est super pour se remettre à 3 tier-rate. Avec le Purity. Et sans se faire mal. C'est ça qui est incroyable. Encore des coffres.
Moi, cette cadence de tir. Et encore, on n'est pas au taquet, hein. Oh, deux Yera. Vas-y. En vrai, j'hésite à faire un Yera là, sur les coffres. Ouais, non. En plus, ils ont donné que des sous. Alors que je suis à 7 de luck. Non, mais si j'arrive à garder mes deux Yera pour le chest, moi je dis oui. Ça, regardez, c'est infini. Ressources infinies, ressources inépuisables. Bon, on va essayer d'avancer un peu plus vite maintenant. Parce que là, bon, je pense qu'on est safe. Oh, la mouche qui fait boum, non. Je quand même faut le clear. Ouais, c'est ça. Tuez vos potes. Oh! Oh! Oh, une black rune! Oh là là! Ah, attendez, elle fait pas effet tout de suite, je crois. Faut d'abord que je prenne le Dual Resort et après que je prenne ça. Ouais, c'est ça. Oh, je trouve à deux T-Rates. Deux de T-Rates. La mitraillette. Sulfateuse. Mais non, mais rends-moi ça. Ouais. Payer un deal. Et du damage. Pas que j'oublie que j'ai ma black rune. Hein. Ça peut être intéressant de la claquer quand il y a. Bah, imaginons s'il y a une bibliothèque. Ouais, ça peut être vachement intéressant de la claquer. Ah, belle. Bon, bah, la partie est gagnée. Hein. Ça y est. Plus rien ne peut nous arriver avec Abel. Allez, si j'avais le vol deux fois. Ouais, je vais aller voir la... Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là par contre, ouais, je suis retombé à 6, du coup Dull Resort. Il m'a donné de la range. Et là,
Allez, il m'a donné du dégât. Mais non, mais moi je veux le T-rate, moi. Voilà, merci. Encore de l'argent. Non mais... Stop. Ça faut vite que je trouve le shop. Ah ouais, je peux lui donner les sous à lui. Un petit restock? Ah non. Un pote nul. Sert à rien, mais je le fais quand même. Putain, je suis à 9 de luck. La partie full débile. Tiens. Allez. Ah yes, il y a une machine de reroll. Yes. Ace of Clubs. Alors on a ça, c'est très bien. Les clés. Encore les... Oh! Bah boss rush. C'est le boss rush. Putain, box... Oh, box of friends! Avec la carbat. Ah ouais! Ah ouais. C'est quoi le bouquin? Hop, je m'en fous. Le bouquin, je le lâche. Putain, le restock pour la fin. Bon, c'est pas grave, restock un objet que je peux exploiter. Celui que j'ai des thunes. Double IRA. Quand il a lâché les deux nickels là, j'ai pas cru. Où est-ce que j'ai laissé des sous? Ici, je crois. Ah non. De toute façon, on va tout bomber. Ah oui, ici, il y a plein de sous. Il y a le quartier surtout.
T'as que des Ace of Clubs. Really? La map. Ouais. Bon, tant pis, on va en rester là. Mais y a trop de bons objets, j'en peux plus. Est-ce qu'il n'y a pas un double school bag? Prendre deux objets. Non, parce que là... voilà quoi. Non, mais je vais même pas prendre la boule de cristal en vrai. J'ai plus une thune. Bon, oui. Allez, il est temps. Il est temps d'affronter le boss. Le boss rush va être incroyable avec la boîte de Pandore. La box of friends, pardon. C'est parti. LOL. Alors qu'est-ce qu'on a? Datsuki, le fantôme. Oh, la Bible satanique. Ça. Le fantôme, ça peut faire encore plus de balles. Enfin, le multidimensionnel baby. Allez, on va s'amuser. Hop, toujours plus de potes. Ah merde. Du coup, j'ai perdu mon tirite. Ah, le seul problème, c'est que du coup, ils sont tous alignés là. J'ai un morceau de clé, j'ai... Oh putain, c'est le bordel. C'est le bordel. Ah, limite, ouais, non. Vous savez ce que j'aurais dû faire? C'est tout manger avec la Black Rune. J'y ai pas pensé. Ah, j'y ai pas pensé, putain. C'est dommage. Mais non, mais... Respecte-toi un peu. À un moment donné... J'ai même plus besoin de viser là en fait. N'importe quoi. Ah là je suis bien là. Là c'est pas mal là. Non là vraiment c'est pas mal. Ah c'est fini? Ah non. Ah oh, l'outil va me popper sur la gueule, je déteste. Non ça va. Ah, c'est bloat.
C'est ce qu'on dit, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Ah, il est là, l'autre. Je voyais pas. Voilà, c'est fini. Bah là, du coup, je vais les manger, les deux. Voilà. Deux de luck et un de dégâts. Bah, yes. Ah, il faudrait que j'utilise mon Dual Razor aussi. Pour récupérer mes deux de T-Rex. Putain, la partie a duré longtemps pour rien là. Allez, on va se presser un peu là quand même. Le boss, il est où? Il est en bas. Non, mais à un moment donné. On va pas rester ici une éternité non plus quoi. Attends, ah mais oui! C'est incroyable! Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai carte batterie. Attendez. J'ai carte batterie. Du coup, mon Dual Razor s'active deux fois. Mais comme j'ai item martyr, enfin, j'ai l'habit. Comme j'ai mal deux fois, l'habit proc deux fois. Donc il me donne deux charges. Et donc ça recharge instantanément mon rasoir. Donc je peux l'utiliser à l'infini. Incroyable. C'est incroyable. Ah donc du coup là si je peux proc l'effet du Polaroid c'est gagné hein. Si j'arrive à perdre mon dernier cœur rouge c'est gagné. Parce que du coup je pourrais proc le Polaroid à l'infini. Et donc je serai invincible. Aïe aïe aïe. Encore un look-up. J'ai combien de piqûres? Je sais même plus. Ah, du coup, j'en ai deux. Allez, on va se dépêcher. Le boss, il est en haut à gauche. Je vois, on a fait les découvertes, c'est bien.
Maintenant, il va falloir passer à autre chose. Oui, non, 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 non. J'avance. Promis, j'avance. Désormais, je ne reculerai plus. Elle a pris la max. Hein. Allez, Black Rune. Cathédrale, il est... Oh, je dirais en bas. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il est en bas, je pense. La lecture du mapping. Très importante. Surtout quand on fait du speedrun. En tout cas, on n'aura jamais été à court d'argent dans cette partie. Peut-être au début, mais après, plus de soucis d'argent. Tiens, tiens, prends ma sulfateuse dans la gueule. Allez hop. Du coup, le chest. Alors, on va commencer par faire un petit Yera. Voilà. Ensuite. Ah, la pomme avec 12 de luck, oui. L'inspectral, ça sert plus à rien. SMB. Et le reste, bah on va black lui. Et le boss est en bas. Oh les dégâts. C'est n'importe quoi. Ah oui, bah je viens de passer un T-rate en plus. Je viens de passer un T-rate. C'est beau. C'est débile surtout. Regardez, je proc quasiment tout le temps la pomme. C'est indécent. Non mais... Ouais bah chier, je prends ça, je m'en fous. Ah non! Ah j'aurais bien fait un petit délirium. J'aurais bien voulu faire un petit délirium, tiens. Bon, en tout cas, la partie est gagnée. C'était la 23e, c'est ça. Merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Incroyable. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as réussi à suivre, malgré le bordel. On se retrouve pour la 24e run, peut-être, avec Eden. A plus.